Et salut tout le monde, on vous accueille aujourd'hui pour euh, Dungeon of Ice Dwyer. Euh, Dungeon of Ice Dwyer, pas du tout, Dragon of Ice Power Peak. Oui, pardon, oui, <laughs> voilà, je suis perdu, je fais n'importe quoi, enfin tout va bien. Euh, bref, est <laughs> Dragon of Ice Power Peak, exactement, c'est ta faute. Euh, donc notre petit actuel play Dungeons and Dragons, euh, Dungeons and Dragons. Et puis, euh, et puis voilà, je raconte n'importe quoi, je n'y arrive plus, c'est le deuxième épisode de la soirée. Et puis j'ai euh, le cerveau qui se croise, euh, les neurones dans l'eau. Bien, euh, donc épisode 13, si je me souviens bien, euh, qui c'est qui va nous raconter un peu ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant Je sens que ça va être Shibuki. Oui, euh, bah, on a battu des euh, mimiques. <laughs> oui, bien fait. Wow. Excellent. Vous <laughs> remarquerez. C'est pas J'aurais demandé, ouais. euh, demandé oui. à Marco. On battu aussi le mémi... les. Contre le, le tenant. Vous remarquerez ce dynamisme dans le groupe. Ouais, ben on s'est battu pour des <rire> mimiques. R.A.B. <laughs> <R>. <laughs> Bien. On a découvert que Guillaume avait beaucoup de sets de dés pour remplacer les dés qui faisaient des 1. C'est vrai. Il n'y a pas de guillemets ici, Exactement. je suis éctélibé. D'ailleurs, on vous invite à envoyer des dés à Guillaume pour leur ouais. plus de dés, comme ça, vous va pouvoir gaspiller ouais. plus de dés sur des 1. Exactement. Il y a un P.O. Box dans la description. Ouais, il va mettre, mettre une adresse de réception en bas ça c'est ouais, malade soyez généreux envoyez moi des sets données j'en ai pas assez pour chaque euh... dé que vous envoyez y a une mimi qui va être sauvée <laughs> wow. euh... bien très bien euh, avant qu'on mm -hmm. fasse une heure et demie d'introduction de, euh, on va peut-être pouvoir y aller donc effectivement euh, vous avez combattu des mimiques et mm -hmm. c'est vrai que techniquement ça peut se résumer pas mal à ça euh, mmh. Alors, vous étiez perdu un peu dans ce labyrinthe de couloirs Et donc, eh bien, on est parti. Faut pas oublier aussi qu'elle a gaspillé un peu de vin. C'est vrai. Euh, ça, ça c'est pas grave. Au désarroi de point fort C'était pas de bon vin. Ah, c'est vrai. C'était pas le bon dit, vin. Que, on s'est battu contre 6 euh. mimiques 6, oui. Si vous voulez savoir si euh, j'ai euh, raison, allez écouter l'autre. <laughs> Vous Les contrer dans l'épisode précédent. Dans l'épisode, c'est c'est au moins, au moins ça. Où, 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 où je sais plus, euh... bien, euh, ça fait beaucoup de, beaucoup de saucisses. <laughs> Allez, euh, on est parti. Donc, je vous rappelle que vous étiez avec Fible qui vous emmenait vers euh, la chambre des rois. Et quand vous êtes ouais. arrivé devant la chambre des rois, vous avez entendu des éclats de voix et euh, des gens qui n'avaient pas l'air. Euh... Exactement content euh, à ce moment-là. Euh, D'accord. Quand vous approchez, vous entendez vraiment des. Mais tu ne peux pas me laisser ici Tu vois bien que j'ai fini à pas mourir J'ai même pas été aux toilettes depuis à peu près 4 heures Écoute, c'est pour ton bien. Euh, il faut dans que tu arrêtes. Maintenant. calme Il faut dans la porte, genre bang, bang, bang Qu'est-ce -qu que c'est, euh, exactement FableTeam, c'est oh. toi, j'ai demandé à boire et à manger. Cela fait 9 C'est les aventuriers que vous avez envoyés. Eh hey, euh Luther, tu trouves pas ça bizarre que c'est la seule porte dans tout le... le royaume des gnomes Je pense que c'est un privilège d'avoir une porte. Bien, j'espère juste que c'est pas une mimique. Entrez. Euh... Euh, non, pardon, n'entrez pas aventurier. Je je tu vois avec tes <laughs> histoires, je dis n'importe quoi. Euh dites lui de me laisser sortir. J'en ai marre d'être assis. Il m'attache avec sortie. des draps. Il en a marre d'être assis. Ah, Calmez-vous, bien, aventurier. Euh, Avez-vous trouvé les preuves de ma non folie? Euh, euh, Pouvez-vous? Ah, six euh... fois même. Six fois. Oui. Euh... Avez-vous une preuve de cela? À part des tas de euh, bimiques euh, qui confient au sol, euh, qui euh... Était très acide, dois-je dire, en montrant mon épée, là, qui est un petit peu dentée. Puis mm. euh, l'armure de mon ami ici, qui a euh, payé cher. Euh... De sa propre chair. Ouais, hein, c'est ça. Oui, donc Luther qui montre son épée à une porte. <laughs> c'est ça. <rire> <rire> Puis. Mais euh... ben, les, les créatures sont vaincues. On s'est assuré qu'elles ne reviendront pas vous embêter. Ok. Euh... Fibble Team est-il avec vous? Diblette, est-ce que t'es avec nous Oui, je, je suis là. Euh, oh. oui, euh, oui, mon a euh, Alors, euh, apparemment, ils ont effectivement affronté des créatures. Euh, euh, si ce qu'ils disent. Euh, des mimiques, je ne sais pas trop ce que c'est. Moi non plus. Euh, bien. Euh, la situation est-elle euh, euh, sûre Oui, vous êtes en sécurité, parfaitement. Sur oui. Il n'y a, a pas eu d'autres disparitions, hein. euh, hormis Orwin euh, et Warren. Euh, on nous a rapporté aussi que Jola était euh, disparu euh, mais sûrement une de ces créatures l'aurait mangé et, et les aventuriers l'ont apparemment vengé. Je pense que la situation est sûre. Votre peuple a besoin de vous, mon roi. Hum. Bien. Euh, quelles étaient vos affaires en venant ici, aventurier il va tirer, Je vais regarder Acquérir des objets magiques, je crois. Oui. Exactement. Donc, euh, nous sommes dans le processus euh, d'essayer de, de sauver euh, la région d'un dragon. Un dragon? Et euh, nous avons vraiment besoin euh, d'aide euh, au niveau euh, objets magiques. Hein. Voyez-vous, en ce moment, euh, on n'est vraiment pas de taille à se mesurer à ce dragon. Donc, on se disait probablement que votre royaume, qui est justement expert en tout objet euh, magique pourrait probablement nous aider euh... je vois. dans ce département. A... Je, je pense qu'il y a une mine qu'on ne peut pas entrer sans une, euh, une magie de quelque sorte. Non? Pour, pour Et, euh, même... euh, là, de, a, été, de... euh, a été... Elle a Et c'est là qu'il y a des magies contre le dragon, j'imagine. Hum mm hum. En fait, c'est le tombeau qui contiendrait une épée le sur le dragon. Et euh, on n'a pas été capable d'y rentrer. C'est là que mes amis euh, sont arrivés à leur fin. Mm. Euh, je ne peux rien pour ce... Enfin, nous ne pouvons rien pour cette, es... ce, 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 cette histoire de dragon. Mais euh, je peux vous offrir un objet. Euh... Et je pense que nous pouvons faire un effort pour vous en offrir un petit peu plus qu'un. Euh... Bien. Euh, Reculez-vous, sachez que tous Fibre les vous... que vous, On sera qu et Vous voyez au niveau de la porte, alors mm -hmm. là où était luther, ça fait <sus> vous voyez des lames passer <sus> comme ça qui passe euh, qui, qui aurait découpé luther en deux, et, euh, et euh, automatiquement, une fois que ça, ça a passé, où oui, est la porte, il fait <sus> donc c'est dangereux ici. <sus> Et la porte s'ouvre sur un en fait dans la pièce, donc sur une pièce. Euh, sur votre gauche, il y a une table qui est là. Euh, mmh. Et au fond à droite, vous voyez un lit qui est complètement défait. Euh, un lit pour deux gnomes. Et euh, dans, dans ce lit, il y a un gnome qui est attaché comme ça. Euh, en, qui est attaché, habillé. Les, euh, vraiment, au niveau des, des poignets. vous voyez mmh. qu'il y, y a un baillon qui, a, qui avait été placé, mais qui a été enlevé. Et à mmh. moitié grignoté, tout euh, dégueulasse de, de, de bave. Et, euh, tu peux me détacher maintenant, sombre idiot Et juste devant vous, euh, mmh. il y a euh, effectivement un gnome. Un gnome qui euh, a une longue barbe blanche, comme ça, très bien taillée, avec des mmh. perles, avec des, euh, des tresses euh, dedans. Euh, mmh. En habit, euh, oui, effectivement, des habits royaux. C'est-à-dire qu'il a une tenue avec, euh, rehaussée d'or. Euh, au niveau des manches qui a d'ailleurs il a d'ailleurs mmh. des, des épaulettes euh, et c'est tout rehaussé d'or c'est euh, dans des des euh, comment dirais-je euh, des symboles une symbolique qui est très naine euh, vous savez des, des lignes très droites euh, des euh, voilà un peu runique comme ça et tout est rehaussé d'or mmh. tandis que l'autre lui est, a ses vêtements sont dans le même genre mais rehaussé d'argent et taché là maintenant euh, par par endroit mais lui est, est, est d'argent rehaussé d'argent et et euh, ouais. vous dit « Bien, euh... rentrez. Euh... »« euh, Vous permettez que j'aide euh, la personne qui est attachée au lit à Je vais m'occuper de mon époux, euh, je vous remercie. »« D'accord. »« Et euh, justement, il, se... il y va, puis il, il enlève À peine, il a enlevé une, une main qui se prend une mandale. »« Je ne sais pas !»« C'est <laughs> vraiment un, un aller-retour. Plus jamais tu me fais ça !»« Oui, bon. Ah »« Très bien. Euh... » qu'une crash rouge ça exactement puis il, en, il enlève l'autre au moment de l'enlever il regarde genre tu vas pas recommencer hein? puis il euh, il enlève la main bien <laughs> euh, y a-t-il parmi vous un utilisateur de magie bien. parfois non, eh bien, ah, bon et eh bien vous vous battez ah. entre vous et, euh, vous voyez que il part dans un coin mm -hmm. et il disparaît vous le voyez en fait il passe pas derrière un mur mais euh, il avance et pfiou, il disparaît. Vous enfin, voyez le, le, le reste de la pièce, mais pfiou, il disparaît. Et euh, il revient avec un chapeau. Avec euh, un chapeau qui est euh, assez euh, assez large, euh, avec dessus des vraiment des brodures d'or et d'argent, euh, okay. entremêlées. Avec il y a un latin dessus. dedans exactement avec des <laughs> symboles un peu étranges dont un symbole qui pourrait ressembler effectivement à la quoi une espèce de chapeau pointu un euh... chapeau pointu exactement une sorte de chapeau un peu pointu. à la Gigi dans Final Fantasy genre, genre et, Gandalf euh... ça ressemble un peu tu, de, tu devrais essayer de le mettre Ayla. il va peut-être te dire que tu fais partie de Gryffindor ou ah et, euh... mais c'était mon école moi quand j'étais à l'école c'était ma maison et euh, il a <laughs> Putain, le grand sauveur de vous D&D myth uh, myth uh, of world donc euh, ce chapeau que j'ai là est un, est un objet qui nous est très précieux um, connaissez-vous euh, l'utilisateur enfin, de, de cet objet doit être un mage exclusivement un mage pas ah. quel, quelconque c'est ah, tout dessiné pour euh, notre ami ici pour moi et là a... euh... ouais je euh... suis là, oui. C'est méchant, ce, ça. Cet objet, ce. Cet objet vous permet de lancer un tour de magie que vous ne connaîtriez pas déjà. Et est-ce que je peux prendre l'objet et prendre 10 minutes pour l'identifier euh, Oui, je. Perle. Je peux vous donner déjà ces, ces statistiques. jai mais... une perle <laughs> Non oh, j'ai pas de perle Fuck euh... Mais euh, pas besoin, je vais vous donner ses effets. Euh, et il faudra simplement vous, vous harmoniser avec. Euh, passer un peu de temps avec lui, essayer de le comprendre, lisez surtout les runes sur son pourtour et euh, vous en connaîtrez le moind les moindres secrets. C'est un objet simple, mais un objet très puissant. C'est quoi Eh bien, hop, je te le montre. Un magic hat Oh, hat of wizardry Exactement. Nice. Et... Euh... Hmm. Je me... Juste une seconde. Voilà. Euh... Un fois par jour. Pour, pour le reste, euh, je pense que Fibolti pourra, pourra vous aider. Euh... Et euh, Fibolti qui est euh, Oui, euh, venez avec moi, j'ai des choses pour vous. Moi aussi, de mon côté, vous êtes venu en aide à ma cité et je vais vous aider. Donc... Ah, bah c'est gentil. Allons au laboratoire. Hein. Um, mm -hmm. Fibble euh, tu n'oublieras pas euh, de mettre en place ton système de défense dont tu nous as parlé. Je vois que mademoiselle y a déjà quelque peu goûté, si je, je crois, sa ça, 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 ça barbe. Ah, c'est un peu perturbant, d'ailleurs. Mais euh, voilà. Euh, yeah. Oui. C'est censé partir, par contre. Ça ne va pas être permanent, que sache. Oui, ça durait une heure. Ah oui, bah effectivement, tu ne l'as plus, c'est une heure. C'est un indicateur. Ouais. Euh... Bien, si j'en crois les marques de madame. <laughs> euh, T'as juste un DG du maintenant. <laughs> oh. euh... Bien. C'est bon, je t'apprends à m'attraper. FibbleTip, euh, tu n'oublieras <laughs> pas de mettre ça en place. Et FibbleTip qui répond, euh, oui, euh, bien sûr, je, je m'en occupe. Et euh, nous avons eu d'ailleurs le temps de, de peaufiner mon invention. Et d'ailleurs, Mademoiselle a pu en faire les, les frais, une barbe et des cheveux comme ça. Bref, c'était très drôle. Je pense que ça pourrait amuser les enfants, le jour de fête. Allez, euh, partons donc. Et il, il vous accompagne donc. Le, le roi qui, les rois qui, qui vont quand même vous saluer en partant. Vous êtes désormais considérés comme étant des amis de Gnomengard si jamais vous avez besoin un jour de nous, nous répondons pré présents et bonne chance avec vos affaires de dragon. Ah, Merci génial, Merci. Et, et euh, ils il partent, enfin ils restent là, vous vous partez <laughs> et, et, euh, et donc vous êtes euh, emmené par Fable dans le laboratoire. Euh, mm -hmm. Où vous retrouvez Double Dope, qui est toujours en train de faire des. des euh, donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 11, comme tout le monde, <laughs> mais il euh, euh, y avait un autre gnome <laughs> dans, dans le laboratoire. Il bah, n'y a que vous qui l'avez vu et vous qui l'avez joué. Ah, oui. euh, mais il y avait un autre, un autre gnome, Double Dope, qui est euh, l'assistant et un autre inventeur euh, euh, au niveau des soudures et tout ça dans, dans le laboratoire qui est justement encore en train de faire des. <laughs> Salut et euh... Bien. Euh, alors. Bon, j'ai euh, deux objets pour vous. Ça pourrait vous, ça pourrait être être pratique, je pense. Um, tout d'abord, j'ai et il cherche dans un dans un tiroir. Mais où est-ce que je l'ai mis um, Double table. Où a-t-on mis l'amulette L'amulette. L'amulette. Oh, l Amulette. Euh... L'amulette au fromage. L'amulette au fromage, exactement. Oui Hum. J'ai un bon. C'est vrai que ça très bon une omelette. Allez. Ici. il soulève un truc. Oh là, non, pas ici. Et comme quand il a soulevé, ça fait. Du feu qui est sorti. Non, pas ici. Attends, quoi Ah Ça m'énerve. Où est-ce que je l'ai mise Ici Et il cherche dans un tiroir. Il sort tout un tas de trucs. Et il sort un de bâton. Comme ça. Ah oui, ça aussi. Bon, voilà, ça c'est le deuxième. Je vous explique après l'amulette. Et il prend, euh, il sort une espèce d'amulette comme ça, euh, en or, massive. Euh, <laughs> imaginez le dollar des rappeurs là, mais en forme d'amulette, euh, massive. Un <laughs> Voilà. Avec ça, vous aurez peut-être un peu plus de chance. Et euh, il, il vous le donne. Euh, cela pourrait vous aider dans des, en cas de. Et qu'est-ce que ça fait au juste ça vous permet, euh, voilà ce que ça vous permet. Ça vous permet de maximiser vos chances, euh, mais Les ça ne dur qu'une fois par jour, euh, voilà. Si jamais vous n'êtes vraiment pas sûr de votre coup, vous pouvez toujours euh, faire appel au pouvoir de cette amulette et euh, elle vous donnera un petit coup de, un petit coup de boost. Voilà. Mmh. Euh... Okay, je vois. Je monte l'amulette, c'est écrit être oui. ou de pas. <laughs> et <laughs> telle est la question. Et à l'intérieur, vous... en fait, quand tu prends l'amulette, tu sens qu'elle vibre un petit peu. Et si vous l'approchez de votre oreille, vous en avez ouais, un tic-tac. Un, un, un bruit de mécanisme un peu étrange. Des, mm. des petites bières qui roulent dedans, des fois ça vibre un peu par endroit. Euh... D'accord. Voilà. Hum, et donc, c'est une fois par, euh, par aubeur. Euh, ah on oui, va. et puis donc euh, il y a Ouh. ça aussi. Euh, alors, euh, comment ça marche déjà euh, Je ne me souviens plus. Euh, ah oui, euh, c'est ça. Euh, Grandit. Et l'espèce de barque devient, devient euh, très, euh, très grande en fait. Bon, ça y est, on a, a le bâton de Goku. Euh... <laughs> Effectivement. Nice. Euh, et puis euh... après il dit petit. Et pff, et, euh, ça mmh. euh, ça devient ça devient beaucoup plus petit et voilà ça peut être euh, ça peut être pratique voilà euh, et vous l'avez vu quand elle a grandi elle a vraiment été euh, du sol au plafond okay. Okay. Voilà. Euh, donc euh, il faut euh, deux mots alors pas le dire très fort parce que il a grandi, il a pfff, le truc il sait. Ah merde, c'était trop fort encore. Euh... Il faut dire grandi, vous dites Et... Oui, ben, non, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Tu vois, genre, il est... il est comme ça, puis elle veut pas bouger. C'est vraiment une... une barre de pole dance qui est euh, imbriquée oh, dans, oh, le... oh. dans les deux murs. <laughs> voilà. Et puis il y a petit. Et... Voilà. Euh, si... si vous préférez, on peut changer les mots. Euh, Donnez-moi simplement quelques... quelques minutes. Si vous voulez éviter de, de... de dire les mauvais mots. Mm. moi je pense que c'est le bad qui devrait avoir euh, le pole dance le pole dance mm. <laughs> avec Sur... la billette bling bling. ouais uh... tous, les, tous les choses. Sur... <laughs> les va aider avec la séduction hein. oh, là, là. Et on a l'horloge le pole mm. parfait d'accord il y a tellement de joke round qui vient à ta tête là as... <laughs> I know right <laughs> on uh... peut pas oh c'est c'est tu sais, chez Gnome, il s'en est passé des affaires qui resteront ici. Qui hein. oh, arrive chez Gnome, reste chez Gnome. C'est ça. Exact. Ah. Oh. Euh... C'est hirogasme. <laughs> oh my god, non. Faut <laughs> pas tu dis une grande quand tu te mets n'importe où. Des oh my god, non. Oh non, mais stop, arrêtez là, deux secondes, vous êtes sérieux, mince. Donc, euh. Oh là là. Bien. Euh... Donc Tiranas va prendre la, la barre, va dire réduit. Donc elle va réduire, j'imagine. Non, elle va rester pareille. <laughs> bon, ça y est. Il faut dire petit. Petit. Et puis, elle, euh, elle devient toute petite. Je vais l'attendre à lutter. Ça, ça fait ça. Merci. Bien. Oh, en bon, se demandant qu'est-ce qu'il se supposé de faire avec un bâton qui grandit, qui grandit comme... <rire> <Donc>. <rire> Je te quand tu, quand laisse tu imaginer, mais tu sais quelque chose dans le sens genre grandit petit, grandit petit, grandit petit, grandit petit. Ça va finir comme Frenchy cette histoire-là. Oh là là. Ah euh, non mais ça prend une action et il faut attendre six secondes entre les les mots. <rire> <rire> Je vais prendre le bâton petit et je vais le mettre dans ma bourse. Vous vous rendez compte quand même que on est filmé <laughs> Oui. Je vais faire, je vais prétexter encore un problème d'enregistrement. Genre... Oh Je <laughs> Oh. Oh Faites leur confiance, qu'ils disaient. Euh, bien. Continuons. Parfait. Donc, euh, Luther a la... chose qui grandit et qui rétrécit. <laughs> <laughs> Incroyable. Je vous ai pas Incroyable. dit, quand, quand il fait froid, est ça devient encore plus petit. Et tout voilà. oh. C'est toi qui envoie. Oui, bah ben d'accord. Ouais, les... Bienvenue sur Hectalion Unchained. <laughs> ouais, exactement. Hectalion After Dark. <laughs> Alors, je tiens à m'excuser auprès de Shibuki. Euh, pour ces blagues euh, pas drôles et, et puis près de nos spectateurs euh, que ça pourrait choquer la, la production s'excuse oh là euh... <laughs> bien qu'est-ce que vous faites on a reçu nos objets magiques euh, tu vas me dire est-ce que c'est tout c'est déjà pas mal hein. juste pour la barre qui grandit qui rentre ici euh, et quand il dit grandit dans, dans tes mains. Euh, ah, ma, tu ah. Dans ma bourse Ah, ah T'as la bourse qui est euh, éclatée. Euh... Oh. <laughs> bon, voilà, j'ai encore fait l'erreur. Et tu vois l'autre qui est en train de souder. On ah, peut changer le nom Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. <laughs> euh, oui, on peut changer le nom. Bon. Ah. Ok. Ça va être... Euh... Je, je vais de trouver un mot euh, qu'on peut okay, dire. Euh... Ouais. Faut que ça rétrécisse, là. Mm -hmm. Euh Bonne question. Pour changer les mots, parce que sinon on va se ramasser avec la gag à toutes les trois secondes. <laughs> Quelqu'un va dire... Ah! Oh, Je... ça grandit! <laughs> Mais voyons donc. Allez. Mm -hmm. Fais-nous confiance quand même. <rire> <rire> Bien la on, va pas passer, on va pas passer la soirée à toi. Euh, pour rétrécir, ça va être Rikiki. <laughs> Rikiki. C'est bon? Ouais. C'est ça. Et elle euh, ça va être Riki. Euh, Aiki, Aikiki, laissez-moi 10 minutes. C'est hein. ça. Et tu vois qu'il prend la barre comme ça. Attendez dehors, je vous l'amène. Juste devant le laboratoire. Oh, C'est euh... un plan con que je vais oublier les mots qui <laughs> à la la semaine. <laughs> au, au bout de 10 minutes, il revient. Et euh, il te la montre, vous avez fait « Grandi !» Il ne se passe rien. « Rikiki !» Ça prend tout l'espace. « Rikiki !» Elle devient toute petite. Bon, oh, là, c'est mieux. Bon. Je vais des nœuds genre, dans ma bourse pour essayer de la réparer parce qu'il y a des trous qui tombent à terre au fur et à mesure. Euh, je demande à, à Ella de me redonner la bourse que j'ai donnée plutôt euh, juste euh, vide. J'ai enfin, une nouvelle bourse. Ouais, je vais changer de bourse. Bon stock de... Et, voilà. Et, Et voilà. de même, il y a vraiment beaucoup de stock dans ma bourse. C'est comme... Euh... <laughs> de l'huile, de si un <laughs> Une pelle. Bien. <laughs> C'est pas que le beau personnage, t'as pas le truc sans fond. Euh... Bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense qu'on a vraiment... Euh... Ouais. Ce serait temps de retourner au village, en fait, aller voir ouais. euh, Dungeon euh, Raskin. Raskin. Pour faut aller l'aider avec... Euh, ouais, il faut se rendre, Merci. bien entendu. Je dis Raskin, mais il faut aussi se rendre à la tombe. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est primordial là, dans le développement de... D'accord c'est primordial dans le développement, par contre, on a fait une promesse. On a fait une promesse. Euh... Euh... Ça on fait tous investir là Plus tard, il se fait un petit sourire à quoi en faisant « On va se rendre en ville, on va en parler. » Je vous rappellerai juste une chose, euh, puisque c'était un point qu'on avait soulevé dans l'épisode 10 ou l'épisode 9, je ne me souviens plus. Mm. Mais à la base, euh, quand vous aviez prévu d'aller chez Gnome, il euh, n'y avait pas encore de John dans l'histoire. Et euh, Ayla, tu m'avais demandé si c'était sur le chemin. Euh, la tombe et oui c'était sur le chemin enfin c'est sur le chemin ah, oui, le le ce qui fait on avait que... prévu il y aller en run c'est ça exactement bon ben à la tombe dans ce cas-ci la okay. tombe c est une mine <laughs> oh my god oh là là euh... très bien vous on est rendu là je pense ouais vous je pense que c'est le temps vous quittez donc euh, Gnome en garde qui. dehors, je vais prendre le bâton, me le placer comme en angle, puis m'en faire je vais voir jusqu'où il se rend le bâton. Et tu vois que. Attends, le bâton. Là, tu veux dire oui. le. Okay, là. le bâton, ok, Le bâton, ouais, qui... Qui... Ouais, ouais. Que... Il... Attends, le bâton là, tu qui. Tu vois que il grandit euh... au niveau de l'angle, il prend tout l'espace possible jusqu'à euh, toucher quelque chose. Euh. Si tu le diriges vers le ciel en, en faisant ça, et grandis, grandis il grandit, grandit jusqu'à ce qu'il tombe tellement qu'il devient lourd, tu n'arrives pas le, à le porter. C'est un truc Rikiki. immense. Ouais. Et, tu, et, tu, et il redevient petit. Oh. Ok, je pense que ça, ça va être intéressant. On va te faire un vélo dragon pour voir. <laughs> oh, Viens, allez, Ah, une bonne idée! <laughs> Faire, euh... ouais. La théorie de tonnerre. Non mais il arrête. il arrête quand il touche quelque chose. Ouais, ouais, il mais désagréable Il ouais. fait 10 euh, ouais, euh, fait... bon. pieds de, de long, c'est quand même vraiment grand. Là. Mais euh, c'est fait qu'il devient très lourd parce qu'il n'est il est plus très stable. Mais euh, si, tu, euh, si tu le mets entre deux, deux objets, bah, il va grandir et se serrer entre deux objets qui font est moins. Est-ce que l'air a poussé sur les parois et si tu t es comme une bonne force, je peux te me grimper dessus? Oui, euh... ouais, C'est ça que je disais. bon. Ouais. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, parce que, euh, clairement, je... Je... je je vois pas trop à quoi ça peut servir, sinon. <rire> donc... <rire> euh... Comme qu'on disait, là, de poteau pour le barde. Là. <laughs> <Ouais>. Ben voilà. <laughs> Et, euh... Et donc... Euh... Vous faites ça ah, en partant, vous récupérez votre caisse de champignons de vin. Ben euh, oui, voilà. dans le, dans, ben, on l'avait fait installer une caisse de vin aux champignons euh, dans notre dans le wagon exactement. Euh, le wagon. Exactement. Ben, wagon euh... Et euh... charrette. Et voilà. Dans votre charrette, effectivement. Ah, oui. Et elle est là. Et vos animaux, votre, vos chevaux ont été euh... pardon pour la charrette ont été euh... entretenus, ont été nourris. Euh, quand bon. vous sortez, vous voyez qu'il fait mm -hmm. nuit, le soleil commence à se lever. Euh, oh. on, est, on, il, on est au niveau de l'aube. Vous hein. Vous avez passé plus d'une journée là-dedans et plus d'une nuit. Et effectivement, vous, vous êtes vraiment fatigué. Oh, euh, pas pour vous, mais euh, un petit peu de sommeil, ce ne serait pas trop. Peut-être dormir. Euh... Pas trop loin dans le coin. Euh, bon, on puis repartir peut après. Ou on peut dormir dans la charrette et on peut faire les tours à, à conduire. Moi aussi, je peux conduire le charrette Et si on veut faire les tours, on, on, les tours, ouais. on peut. Je peux me prendre un petit 4 heures de sommeil pendant... puis aussitôt moi, je suis correct après. Si ceux qui ont besoin de 8 heures de sommeil, ben. Euh, une, on est juste besoin d'une seule personne qui prend un, un qui toffe un autre 4 heures. Je vais je dormir, dormir 4 heures. heures. Ah non, mais moi je peux je vais le faire là aussi. Je, je dors juste 4 heures. Hey, C'est là, on sais. est trois à dormir 4 heures ici, hein. Oui. Ah! Pour mmh. yes. <laughs> Merveilleux. <rire> bon ben, dans ce cas-ci, les elfes se relaient et les, les nains et les humains. Dorment. Dorment. Parfait et oui. vous euh, vous reposez euh, donc à tour de rôle dans la dans dans la charrette euh, mm -hmm. c'est pas très agréable mais vous passez quand même une, une nuit quoi vous êtes vraiment exténué pour certains et euh, toi et là tu es la seule qui sait à peu près où tu vas euh, à ce moment-là mm -hmm. euh, vous allez euh, descendre sur la route principale en fait vous allez passer à côté euh, du de, de Enfin, vous êtes sur la route qui mène au, au range de Cranamber. Euh, et Ayla, à ce moment-là, tu vas te demander à changer de direction. Vous prenez euh, un petit chemin de forêt. Okay. Et au bout d'environ 5 heures de route, euh, c'est plus envisageable d'y aller en charrette. Euh, oh, le, ok Le, le chemin, il n'y a plus de chemin. Euh, vous allez continuer pendant un moment en étant sur de l'herbe, etc. Mais là, mm -hmm. c'est plus envisageable d'y aller en charrette. Okay. Ok. Euh, ben, rendu là, je propose qu'on qu qu se fasse un camp. Et qu'ensuite, une fois bien reposé, euh, qu'on qu aille à la tombe. Est-ce qu'on a réussi à avoir une, une nuit au complet Oui. Oui. À oui ce moment-là, moment non, mais euh, oui, il ne se passera rien de. Okay, ok, 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 bon. Si vous faites un camp et que vous dormez, vous finissez vos trois heures là. Euh... J'estime que oui, vous avez vu. Votre... Au, au petit matin, euh, mm -hmm. alors que vous vous réveillez, vous entendez. Dans le village des Petit bonhommes. Exactement. Euh, vous entendez. Babaorum. Oui, oui. Et aquarium, euh, vous entendez euh, des bruits de des bruits de sabots qui ont l'air de quoi Des bruits de sabots qui ont l'air de tourner autour Imaginez les les, <laughs> les <oies> de coco. <laughs> Euh, qui ont l'air de tourner autour de votre camp, autour de votre carrière, Vous entendez mmh. un cheval, puis un deuxième, puis un troisième. Et vous voyez pas trop bien, mais vous voyez des, des têtes humaines qui ont l'air de vous regarder, puis qui, qui disparaissent. Et alors que peut-être ça va vous alerter, vous allez peut-être vous mettre en position de petite mmh. défensive. Mmh. Vous voyez une forme qui sort de la forêt. Mm -hmm. C'est un homme mm -hmm. qui est monté, non pas monté, son corps en fait. Son corps est un corps de cheval. Euh... Et vous voyez un cheval qui a un buste d'homme. Et certains d'entre vous savent que ce sont des centaures. Ce Et... sont des wercheval. <laughs> Et cet homme, ce, ce centaure, s'approche mm -hmm. de votre camp. Les mains en l'air, pas armées. D'accord. Vous, ami, moi, ami, pas, pas attaqué. Luther, il se lève euh, de son matelas, puis euh, il place son, son jacket, il place ses affaires. Comme... Là, dit, oui, oui, nous, ami. Moi, Luther. Quoi faire ici? Nous, chercher... Euh... Aïe hey là, on cherche quoi, déjà? Épée tueuse dragon. Épée tueuse dragon. Tombeau. 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 Tombeau, dangereux. Oui, vous, tombeau. tombeau dangereux. oui, nous savons. Vous, vous danger mourir. Oui. Euh, nous, protecteurs tombeau. D'accord. Vous mourir, si... Nous, protecteurs de royaume. Besoin de tuer dragon. Dragon. Oui, dragon. Dragon montagne. Oui, oui, dragon montagne. Ah dragon, <laughs> dragon attaqué. Immense. Dragon attaqué. Femme et enfant, moi. Oh. Donc nous aidez-vous à tuer Dragon. Vous besoin de tombeau? Oui. Oui. Mm -hmm. Tombeau très dangereux. Tombeau très dangereux, tu, presque tuer, mes amis. Mm. Nous, dangereux aussi pour tombeau. Mm. Euh, J'irai pas dire juste ça, mais... Bon, oui. <laughs> C'est correct, c'est correct, c'est correct. Il va nous dire c'est où. Vous... Quoi? Épée et tombeau? Vous, Vous prenez épée et tuer dragon? Oui. Nous prendre épée, tuer dragon et ramener épée après. Hum. Ça dépend. Vous... C'est un bon marché. Oui. Échange... Nous, apporte, nous, prendre épée, emprunter épée, tuer dragon, rapporter épée dans ton bout. Je peux laisser mon épée ici pendant bon, euh, que nous avons le l'une de ton bout. Pas... Ouais, je n'ai pas l'impression que ton épée a la même valeur sentimentale. Par contre, celle de c'est quand même assez à On pourrait laisser. Euh... Non. Si vous prendre épée, plus tombeau. Vous. Euh, vous pouvoir prendre épée. Pour tuer Dragon. Et si, Dragon, okay. si Dragon pas tué, nous venir pour vous. Si euh, Dragon n'est pas tué, nous serons morts. Effectivement. Vous, vous jurez. Oui, Luther va s'approcher de, de l'homme centaure puis il va étendre la main. Comme pour. Euh... Dans mes coutumes, on se serre la main lorsque nous avons une entente. Dans la mienne aussi, mais quand on jure, on fait avec ça. Et tu vois qu'il a une espèce de, il passe une espèce de bague comme ça, qui a une petite, euh, euh, comme une pèse de double pointe. Il a une bague et qui a une pointe vers lui, une pointe vers l'autre côté. Toi, juré oui. Moi, juré. Tu serres la main et les pointes s'enfoncent dans ta chair, s'enfoncent dans sa chair. Vos sangs se mêlent. Tu sens une sorte de chaleur. Et quand tu retires la main, tu vois que vos deux sangs ont l'air de se... de se rejoindre et se séparer. Toi savoir où moi être et moi savoir où toi être. Oui, très bien, je vais être un fandalin si vous me cherchez. Ah. <rire> <rire> vous mourir si pas tuer dragon. Si pas tuer est... dragon, nous tous morts. Vous, Effectivement. Vous tous jurez. Et ton la main. la main. Et, et pareil pour, pour tout le monde si vous, vous le faites tous. Euh, ouais, je <laughs> vais je donner mon mon mage hand. Ça une pas. Main bizarre. <laughs> main. Mais. Euh... Vous, euh, vous bon, Tyrannos tous, va enlever son gant, puis il va. Vous serrez tous la main et vous avez tous cette même sensation. D'un seul coup, il y a une, une connexion. Euh, vous ne sauriez pas à dire, mais si vous ne le regardez pas, si vous tournez le, la tête, vous savez qu'il est derrière vous. Mais c'est pas vous le savez qu'il est là, vous le savez qu'il est là. Je vois, <laughs> je vois. Putain, vous prenez un bandage, vous mettez un bandage au-dessus pendant que. Pardon, je m'étouffais. Euh... Je vais parler. Et, euh... et quel est votre nom on, on, on fait tout ça, mais on ne s'est pas présenté. Et... Xar Torach est mon nom. Xar Zartorash. Xar Torach. Vous Permettez que je vous appelle Torach Xar ami Sterich. Voilà mon okay. nom. Ouais. Xar Torach. Ah, on oui. va sera... éviter de l'appeler, OK Ah oui, toi, mon ami. Xa, xa. On a mis <laughs> pas. Euh, Bon. Vous pouvoir passer. Tombeau. Et euh, il met la main dans une direction et euh, okay. il vous indique le Vous le guider jusqu'au tombeau. Je peux guider. Mais le chemin va être définitivement vous, plus facile. vous seul. Moi pas entrer, moi pas pouvoir. problème. Tombeau être euh, tombeau grande guerrière. Grande combattante. Grands aventuriers. Et euh, le tombeau de qui? Grande guerrière, des légendes. Elle tuait. des Humaine. Une euh, humaine? Elle avoir appris comme un peuple à moi. Elle. Mmh. Est-ce qu'on connaît un peu le, le folklore de cette héroïne? Euh... Où... Vous non. Euh, et là euh, toi tu lançais un peu plus puisque tu avais vu les recherches de l'autre euh, du mari d'Arcadia de, de, et mm -hmm. euh, tu, tu sais que euh, ce tombeau euh, c'est effectivement ce qu'il vient de dire, c'est le tombeau d'une une guerrière humaine une grande, une grande héroïne qui euh, a, à l'époque affronté un dragon vert dans la région qui l'a tué et euh, ce dragon vert avait euh, tué ses, euh, euh, ses amis euh, lors du combat, elle était la seule survivante. Elle a fait construire un tombeau pour ses amis et pour elle. Et quand elle est quand elle est, euh, est arrivée à la fin de sa vie, elle est venue dans le tombeau pour y mourir. Ouais. Et euh, et voilà. Et j'essaie je, de retrouver son nom. Hein, pardon, je m'excuse. Voilà. Lady Tanamer Alagondar. Mmh. Pardon, l'année. Le, le nom T'as la mère à la gondar. T'as la mère. la mère à la gondor. Oui. Voilà. Tu veux tu pas aller je euh... ça <laughs> euh, Commence pas. Ouais, Est-ce je, que je peux regarder le. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Fini, puis je vais, je vais y aller après toi. Est-ce que je peux faire un jet d'histoire pour savoir plus sur T'as la mère à la Gondor? Oui, vas-y. Mais... davantage que je vais regarder les notes. Oui. S ça les joueurs ce que j'ai une face c'était un avantage à un DM <laughs> oh ah oh, yes 27 alors ce que euh, tu sais c'est que euh, c'est une euh, effectivement une guerrière assez légendaire qui vient de Neverwinter oh, euh, elle, euh, elle en fait elle s'y est prise à deux fois euh, une première fois, elle est venue avec euh, un, un, des aventuriers. Et ils ont affronté le dragon vert qui terrorisait la région, qui s'appelait Asdraka. Euh, la légende a retenu ce nom comme étant un grand dragon vert, un, un ancien dragon vert qui terrorisait littéralement la, la région à côté de Neverwinter. Mm -hmm. La première fois, ils sont pris une, une volée euh, et ses compagnons sont effectivement décédés. Euh, elle a, elle a fait construire le tombeau pour eux. Et la seconde fois, elle est revenue avec d'autres aventuriers. Et là, elle a réussi à vaincre le dragon. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure. Et euh, par contre, apparemment, euh, elle, sera, elle serait morte la seconde fois. Elle est morte avec en tuant le dragon. Ils se sont entretués. Voilà. Et euh, elle est morte, et ils l'ont mise dans le tombeau euh, dans lequel elle avait mis sa place en même temps, temps qu'elle l'avait fait construire une première fois. Ok. Voilà. Puisque c'était ses dernières volontés. Et ce tombeau, avec le temps, a été perdu. D'accord. Voilà. À la mer, à la gondole. C'est ça. Mais non, la famille non, la Gondor. attends là c'est mon lord de, de Forgotten Realms qui arrive ouais, c'est ouais, pas, oui, pas la famille de c'est les Royal sion ouais de Neverwinter ouais, c'est ça <laughs> c'est ça ok et, et voilà donc euh, qu'est-ce que vous faites le, le... Enfin, le, le, le centaure, lui va simplement euh, moi guider vous Et... C'est vraiment ce qu'il va la regarder euh, d'un côté, mais il va dire, euh, il va dire en sylvain, est-ce que vous parlez le sylvain? Je parle très bien le sylvain. Ah bon, ça va être un peu mieux de communiquer comme ça. Désolé, votre comment est un petit peu euh, bizarre. Oui, je, je sais, mais c'est ancien. Mais merci cool. beaucoup de, de nous guider. Merci à vous de vouloir sauver le, la région de ce dragon. Euh, bien sûr. Bien. Euh, vous, euh, venez et puis euh, je vous emmène. Aucun problème. Mais vous allez mourir. Je mmh. suis mmh. pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas encore sûr. J'ai mmh. hâte de te prouver le contraire. Eh bien, prouvez-moi prouvez le contraire. Et vous, a, tous ceux qui parlent pas le, le sylvain, vous comprenez rien du tout. Hein. <laughs> Donc, euh, je me d'abord, puis ouais, non, c'est ça, leur langage, c'est le Sylvan. C'est vraiment, euh, je, je m'attendais. Quand je me suis évadé de prison, euh, j'ai passé quelques temps là, dans, la, dans la High Forest euh, à me cacher. Et, et donc, euh, j'ai euh, rencontré certaines créatures qui m'ont euh, appris le Sylvan. On en apprend des décidément tous les jours à propos de vous, Cyranos. Hum. Compagnon mystérieux, mais n'en reste pas moins un compagnon. Vous hum. avez raison. Allez, en route. En route. Vos chevaux, charrettes, seront euh, comment dit-on. Comment dire, euh, gardés? Euh, eux protégés. Protégés, ouais, ok. Mais ici. Parking. Tombeau être euh, quelques minutes marche. Moi, je pense qu'on va peut se préparer puis y aller. Moi, ouais, pendant mm -hmm. tout ce temps-là, je vais m'avoir. Euh... Comment on dit ça À Tune, à la. Ouais, Harmonisé. Harmonisé, merci. Harmoniser, Au ouais. chapeau. <laughs> Au chapeau de Gandalf. Merveilleux. Fait que euh... Maintenant, quand je me promène, je peux faire. <rire> <rire> puis il y a une petite musique, genre. <tip> 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 J'en ai en oh, Parce que le can que je vais toujours faire, c'est prestidigitation, juste pour ça. Ben, Thomas, Nice. Ça. Ok. Nice. Du coup, j'ai le give dans la tête. Là. Ok, très bien. Ça euh... fait <laughs> plaisir. vous vous enfoncez donc dans la forêt. Euh, D'accord. Précédé par ce centaure qui vous euh, mm -hmm. guide. Et. Et on est encore le petit matin à ce moment-là. Euh, le soleil est encore bas, il y a encore un peu de, un peu de brume, encore très blanc, etc. Euh, mais vous débouchez assez rapidement, en fait quelques dizaines de minutes, un peu plus loin que ce que vous avez dit, ça ressemble plus à une heure qu'à quelques minutes. Euh, et vous remarquez une chose, c'est que vous êtes très lent pour lui. Euh, vous remarquez en fait que euh, lui, il est obligé de se ralentir quand il commence à avancer à l'heure normale. Vous êtes euh, largué en quelques minutes, surtout euh, un certain euh, point fer qui, euh, qui doit un peu des fois forcer le, forcer le rythme, mais euh, vous vous rendez compte, c'est vraiment très lent pour lui. Pardon, je, je m'étouffe encore une fois. Et euh, au bout de ouais, quelques dizaines de minutes, vous débouchez dans une nouvelle clairière, euh, mais tout de suite commence à monter comme ça, c'est un monticule, un, un talus en fait, une petite colline, commence à monter. Et ça euh, a une forme un peu étrange, comme ça vous ne sauriez pas dire, il faudrait prendre de la hauteur et, voilà, et voir, de, voir de haut, mais euh, visuellement comme ça vous savez qu'il y a un truc qui est assez étrange parce que vous voyez que cette colline euh, sur votre droite, elle fait une forme, enfin euh, c'est plat et ça commence à monter. Et euh, sur, votre, sur votre tout droit, ça fait comme une pointe. Sur votre gauche, ça monte aussi pareil. Mais ce n'est pas une forme naturelle. Vous vous rendez compte que euh, normalement, ça devrait être égaux à peu près partout et monter comme ça gentiment. Mais là, c'est vraiment sol normal. Puis d'un coup, hop, ça commence à monter, ce qui est un peu étrange. Euh, et au-dessus, donc toi et là, tu l'avais déjà vu, euh, vous avez plein de roches qui, sont, euh, qui partent donc, de votre gauche vers votre, votre droite. En haut de cette colline, vous avez plein de pics euh, rocheux, euh, comme des dolmens euh, qui, sont, qui sont là, qui sont en forme de pointe, et qui ont l'air de former vraiment comme une, une arête, quoi, euh, sur tout le long. Et toi, et là, tu sais que la troisième, parce que tu es déjà venu ici, tu as déjà fait euh, les recherches, euh, la troisième, tout en haut, euh, en partant de la gauche, euh, elle se pousse pour révéler un escalier. Et... donc je regarde Ayla et je dis c'est ici que vous passé ouais j'ai des flashbacks du Vietnam <laughs> mais euh, non toujours blague à part euh, ouais, Ayla va répondre là. ouais c'est ici comme d'un air euh, visiblement nerveux c'est ici qu'on rentre dans le tombeau des, des horreurs I wish not. Je peux rester derrière moi, hein, pour, euh, je te protéger. Pas besoin de personne me protéger. Tu bon, montes, je... my girl. Tu montes. Mmh. Et quand euh, vous montez euh, sur cette cette colline, une montée mmh. euh, tout à fait euh, pas aisée, mais euh, ça se fait tranquillement. Euh, je suppose là que tu les emmènes directement au troisième pic qui révèle un escalier. Et, ouais. euh, et vous arrivez en haut. Ce que vous voyez déjà, c'est que le pic, effectivement, il a été bougé. Donc, toi, là, tu sais que c'est ton précédent groupe de compagnons qui l'a euh, qui, qui bougé. Donc le pic a été bougé, qui révèle effectivement un escalier qui descend. Euh, vous voyez que ça a l'air de faire un colimaçon. Et surtout, ce que tu vois, là, en arrivant, c'est le corps d'un de tes compagnons euh, qui est euh, humain et qui est posé en sortie de l'escalier. Vraiment posé comme ça, ça fait bien plusieurs jours, euh, voire même euh, peut-être une semaine et demie qu'il est mort maintenant. Euh, il est posé comme ça et son corps, chaque at articulation a été découpée. Donc tu as une main, l'avant-bras, c'est coupé au niveau du coude, le bras, c'est coupé au niveau de l'épaule et après voilà, ça oh. euh, c'est séparé comme ça en plein de morceaux. Et il est posé comme ça euh, et il manque les jambes. Il est, au niveau du buste, il est coupé. À... Oh waouh! Ok, il y a un Dark en ce moment. <laughs> Exactement. Et, okay. euh, et voilà, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur euh, cet entrefait là-dessus. Mm. Et nous verrons donc euh, la semaine prochaine ce qui se passe dans cette tombe des horreurs. Voilà. Qui n'a oh, en fait bon, pas la vous finalement. Ah, Ouh. et ben voilà. C'était un... un épisode sympa. Mmh. Oui, j'ai hâte euh, d'être à la semaine prochaine. Enfin, euh, nous dans deux semaines, mais euh, j'ai hâte d'être dans deux semaines pour savoir un peu euh, ce qui va se passer là-dedans. Ben, lundi, on n'a pas de partie. Non, mais on part, on ah, joue ben, lundi d'après. Lundi, non, mais lundi prochain, on n'a pas de partie, nous autres. Là. Non, ben, on, on, de... je vais juste conclure l'épisode et on s'organise au niveau horaire après. Ok. Euh... Et puis, euh, ben voilà, donc, euh, ben écoutez, euh, les, euh, les spectateurs, j'espère que vous avez pris du plaisir euh, à, à suivre cette partie. Les joueurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à y participer. Oh et oui. Et puis, euh, et puis voilà, donc, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour les viewers. Nous, ben, je sais pas trop quand, mais normalement dans 15 jours, mais peut-être avant, on verra ça. Et puis, euh, et <laughs> puis voilà. et ben écoutez, n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!